honnête, je suis la meilleure émission du monde, je donne les actus du moment, le tout dans la joie et la bonne humeur. Je suis l'émission Fraîche et pour vous le prouver, on vous envoie le menu. Dans Fraîche Ciné, ça y est, Sonic le Hérisson sera au cinéma cette semaine. Dans Fraîche Game, vous aimez les animaux? Ne quittez pas. Et dans Fraîche Musique... Et ça fait bim bam fraîche. Je suis où? Pendant quelle année? C'est The Rock le président? Oula, pas de panique, ça va bien se passer, car le hérisson bleu le plus célèbre des jeux vidéo, mais oui, je vais bien sûr parler de Sonic, débarque enfin au ciné cette semaine. Oh, je suis Sonic, une petite boule bleue dotée d'une super énergie. En mode beau gosse. Et pour sauver ma planète, je dois débarquer sur la vôtre. Oui, Sonic est sur notre planète Terre et va faire la rencontre de Tom qui va devenir son meilleur ami. Et ça tombe bien parce qu'il a besoin de quelqu'un en qui il a confiance pour vaincre le terrible Robotnik, un super méchant qui est à ses trousses. Pourquoi te gâcher la vie pour ce ridicule petit alien ? C'est mon ami. Il est comique, il est acteur, il a été découvert par Jamel Debbouze et oui, c'est Malik Bentala qui a fait la voix de Sonic. Alors Malik, tu connaissais un peu le jeu toi ou pas auparavant ? J'ai toujours joué à Sonic, donc ça a été la raison pour laquelle j'ai accepté. Et Dieu sait que dans mon emploi du temps, c'était compliqué de pouvoir le faire, mais c'était non négociable, je voulais le faire parce que j'étais un grand fan de Sonic, et je le suis encore d'ailleurs. Ah, mais nous aussi ! Et alors du coup, ça s'est passé comment le doublage ? J'ai vraiment essayé de faire du mieux que j'ai pu, et on s'est donné du mal pour apporter une vraie version française originale, mais sans dénaturer le personnage de Sonic, tout en gardant sa malice, sa bienveillance, son côté vanneur, donc voilà. Ah bah en tout cas, ça nous a donné grave envie de découvrir les aventures de Sonic, qui est au cinéma cette semaine, je le rappelle. Merci Malik. Trop fort. Alors là, pour ceux qui aiment les animaux et les jeux de gestion, vous allez être servis. Et oui, cette semaine, on fait un focus sur le jeu Planet Zoo. Comprenez par là que c'est un jeu trop cool dans l'univers d'un zoo que vous allez devoir gérer. Alors attention, hein, vous allez avoir différentes tâches à accomplir. Vous allez devoir construire des maisons les plus confortables possibles pour vos animaux, bien sûr, mais aussi gérer l'ensemble du zoo et ses visiteurs. Et enfin, c'est la tâche principale. Bien entendu, vous allez surtout devoir prendre soin de vos animaux et s'assurer que vous avez créé le meilleur zoo du monde. Tout au long du jeu, le mode campagne vous emmènera aux quatre coins de la planète pour veiller sur nos amis les bêtes, et le mode bac à sable vous permettra de laisser libre cours à votre imagination. Alors pour vous occuper d'animaux trop mignons, c'est dans Planet Zoo et c'est disponible sur PC. Allez, focus sur un phénomène de ouf que vous avez déjà sans doute entendu. Elle nous a représenté à l'Eurovision Kids, elle chante trop bien, elle est pétillante et rigolote. C'est... Mais oui, c'est Carla. Alors Carla, t'as eu un succès incroyable, ton clip Bim Bam Toi est presque à 30 millions de vues. C'est comme si la moitié de la France avait vu ton clip, hein, quand même. Et en plus, t'es numéro 1 sur TikTok. Ça fait quoi tout ce succès? Tu t'y attendais? Je m'y attendais vraiment pas. Lorsque j'ai enregistré pour la première fois Bim Bam Toi, je me disais si on a 1 million de vues, c'est énorme. Et là, voir 1 million de vidéos TikTok, 25 millions de vues sur le clip YouTube, ça me touche énormément et je remercie toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début parce que ça me réchauffe le cœur et c'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. Donc merci à tous. Et l'Eurovision alors, ça s'est passé comment? Tu nous racontes? C'était vraiment une aventure incroyable. Je pense que c'était la plus belle aventure de ma vie. Lorsque je suis montée sur scène, je me suis dit waouh, il y avait énormément de personnes dans la salle et c'était vraiment magique. Et pour toi, c'est quoi la suite dans tes projets? Il y a de beaux projets qui arrivent. Il y aura notamment mon premier album solo qui va pas tarder à arriver. J'ai hâte de vous faire découvrir mon univers. J'ai hâte de vous faire découvrir qui je suis vraiment. Et en tout cas, merci à tous pour tout. Mais merci à toi, Carla. On a vraiment passé un bon moment. Allez, mes petits fresh notes, on se laisse en musique. Avec nous, ça fait bim bam. À la prochaine. Ciao. En exclusivité sur Canal et Numéricable.